On entend beaucoup parler sur Internet du miracle des actions à dividendes. Donc là, on va voir dans cette vidéo si vraiment c'est une bonne idée. On va déjà voir ce que c'est, on va voir si vraiment c'est une bonne idée pour toi de te lancer vers cette stratégie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Damien Lamy, auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Et dans cette nouvelle vidéo, je reçois mon ami Viken. Salut Viken. Salut Damien. Avec Viken, on va parler bourse. Et comme tu sais, j'adore parler des sujets que je maîtrise. Et par contre, j'adore inviter des experts pour les sujets que je maîtrise moins. Donc Viken, qui est trader, va aborder un sujet que je vois toujours sur Internet et moi qui. Je suis curieux, donc je me demande toujours, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Tu sais, quand on a des promesses un peu trop grandes, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière? Donc, Viken, est-ce que, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ok, bah merci pour l'invitation. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis sur les marchés financiers mon propre capital et je fais ça depuis 2006 sur les marchés américains. En fait, j'achète et je revends des actions de sociétés américaines, des grandes sociétés qu'on connaît tous. Donc voilà ce que je fais. Du coup, est-ce que tu peux nous définir déjà de base? Alors, depuis que j'ai fait des formations avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris, il m'a toujours dit, Damien, on doit commencer par les notions et principes. Alors, on va faire la même chose pour être de bons élèves, et c'est vrai que c'est important de commencer par les bases. C'est quoi des actions ce qu'on appelle des actions à dividendes? Alors effectivement, en gros, quand on investit en bourse, il y a deux types de revenus. Il y a les plus-values. Bon, moi, c'est ce que je vise, c'est les plus-values, c'est-à-dire que j'achète des actions à un prix donné et j'espère les revendre plus tard, quelques mois, quelques années après, plus cher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une plus-value. Et il y a une autre source de revenus quand on investit en bourse qui sont les dividendes. Alors les dividendes, on va faire simple, on va faire un petit schéma. Donc les sociétés qui sont cotées en bourse, elles ont des recettes, hein, elles vendent des produits ou des services. À ça, elles vont déduire leurs charges, donc tous leurs frais et leurs impôts. Et ensuite, là, il va rester un bénéfice net. Et ce bénéfice net, certaines sociétés vont décider d'en verser une partie à leurs actionnaires, donc aux personnes qui possèdent les actions. Et l'autre partie, elles vont le mettre en réserve pour leur projet futur, pour avoir de la trésorerie. Mais il y a des fois une confusion qu'on entend. Des fois, certaines personnes croient que une société qui fait des bénéfices est obligée de verser des dividendes aux actionnaires. C'est pas vrai. Certaines sociétés font des bénéfices, mais comme elles ont des gros projets futurs, qui vont demander beaucoup de moyens pour les recherches, par exemple, eh ben elles vont décider, même si elles ont fait des bénéfices, elles vont décider, donc c'est un vote, hein, les sociétés qui sont cotées en bourse, les actionnaires votent, elles vont décider justement de ne pas verser de bénéfices pour avoir toute cette somme qu'elles vont investir dans leurs projets qui vont rapporter plus. Et à l'inverse aussi, il y a des sociétés qui, elles, ne font pas de bénéfices et pourtant, elles versent des dividendes. Pourquoi? Parce que verser des dividendes, c'est un moyen de garder leurs actionnaires justement, qui ne revendent pas leurs actions pour aller ailleurs. Donc voilà, bénéfice égale pas forcément dividende. Fort bénéfice ne veut pas dire fort dividende, c'est ça, ils vont jouer en fait là-dessus. Et du coup, on est plutôt sur une stratégie long terme, c'est-à-dire que quand on achète des actions à dividende, si je comprends bien, c'est plutôt pour les garder déjà jusqu'au premier exercice, puisque les dividendes se donnent annuellement sur ce genre d'action, je suppose. Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Souvent, c'est annuellement, mais en fait, il n'y a pas de loi ou de règle qui oblige les entreprises. Déjà, les entreprises sont obligées de verser des dividendes. Et même si elles qui en versent, ouais, souvent, c'est annuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Certaines versent leurs dividendes en deux fois, une fois par semestre, ou d'autres chaque trimestre. Il n'y a pas de règle vraiment. Et après, c'est plutôt les sociétés, on va dire, bons pères de famille qui sont généreuses en dividendes. Par exemple, les sociétés comme Total ou Air Liquide, vraiment les sociétés qui sont un peu historiques. Par exemple, si vous allez dans des sociétés plutôt des valeurs technologiques, elles, ce n'est pas le genre de société qui vont verser des dividendes parce qu'elles ont des projets futurs. Donc, c'est plutôt les sociétés qui sont assez stables. Alors, une petite question qui me vient un peu de malin, c'est est-ce que si je rentre sur l'action à dividende le mois qui précède le versement des dividendes,
je touche autant que si j'étais resté pendant toute l'année? Ben justement, on se demande pour tout. En fait, il y a, pour chaque action, il y a une seule personne qui va toucher le dividende, forcément. Et la personne, vous allez voir, la société, elles annoncent, on va verser le dividende tel jour. Et ben, en fait, la personne qui va toucher le dividende, c'est la personne qui possède l'action à la clôture de bourse le jour précédent. Donc voilà. D'accord. Du coup, il y a un marché assez fort au moment des annonces de versement de dividendes. Ça bouge à ce moment-là ou c'est plutôt au final pas tant que ça volatile? Non, pas forcément, parce qu'en fait, on pourrait se dire, ben voilà, je vais acheter l'action la veille du versement du dividende. Je touche le dividende et immédiatement après, je la revends. En fait, non, c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, quand la société verse un dividende aux actionnaires, ben, c'est une sortie de capital. Et ce capital qui est sorti pour verser les dividendes, en fait, il était compté dans le prix de l'action, si vous voulez, dans la valorisation boursière. Et donc, en fait, le montant du dividende, il est versé aux actionnaires, mais il est également déduit du prix de l'action. Donc, ça fait une opération neutre, si vous voulez. Si tu D'accord, veux. C'est une fausse bonne idée. Quoi. Ouais, ce serait trop facile, sinon. Il suffirait d'acheter, repérer les actions, puisqu'on connaît à l'avance les dates de versement des dividendes. Ouais. Il suffirait d'acheter, voilà, tu vois que telle action verse. Tu achètes la veille, tu revends le lendemain, ensuite tu vas sur la prochaine. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et alors, est-ce que, parce que je vois souvent avoir 1500 euros par mois grâce aux dividendes de manière assez facile et assez sûre. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est pertinent? Et si oui, comment faut-il le faire pour réellement que ce soit pertinent? Alors ma stratégie, c'est pas du tout une stratégie dividende parce que dividende, alors il y a un moyen d'avoir des revenus assez prévisibles avec les dividendes. Il faut choisir ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, c'est-à-dire des. Alors vous pouvez taper ça sur internet, vous avez plein de sites, même vous avez les informations gratuitement, il n'y a pas besoin de payer, surtout les sites américains. Enfin, bref, c'est des dividendes aristocrates, c'est des entreprises dont le dividende qui ont versé des dividendes depuis 25 ans, depuis les 25 dernières années. Et dont le dividende a augmenté sur les 25 dernières années. Donc voilà, il n'y a pas de garantie future, hein, parce que l'entreprise, si elle verse des dividendes, elle peut l'année suivante arrêter, il n'y a pas d'obligation. Mais a priori, si elle a augmenté son dividende sur les 25 dernières années, ça veut dire que le dividende fait justement partie de sa culture, sa politique de récompenser les actionnaires. Donc c'est peu probable qu'elle arrête la 26e année. Donc voilà, ça c'est un moyen d'avoir des revenus assez prévisibles, on va dire. Par contre, les revenus sont assez faibles. Une stratégie dividende, vous allez gagner en moyenne 5% par an. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup de travail, mais il ne faut pas vous attendre à des revenus qu'on peut avoir sur des stratégies de plus-value. Par contre, ça, c'est vraiment si vous regardez seulement les dividendes que vous allez percevoir. Mais les gens ne prennent pas en compte le capital qui diminue. Par exemple, en cas de crise comme on a eu en 2008 ou en 2020, ces actions-là, surtout les françaises, elles ont perdu beaucoup de valeur. Donc, effectivement, vous touchez votre dividende, mais votre capital s'est effondré de 30-40%. C'est ça à prendre en compte. Ça, c'est un peu comme en immobilier où il y a une volatilité qui est moins grande sur le prix des loyers. Donc là, on peut penser qu'une société qui est stable a versé un montant de dividende assez stable dans le temps. Pour autant, le capital peut être plus bas, ce qui n'est pas forcément très grave. Dès le moment, par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'urgence de vendre. Tant que vous gardez la position, par définition, on ne perd pas d'argent. Par contre, c'est toujours le souci de ce besoin de liquidité. Là, vous avez de gros problèmes par rapport à ça. Et sur le contexte actuel, week-end, du coup, là, on avait annoncé que les sociétés qui utilisaient le chômage partiel ne pourraient pas verser de dividendes. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est quelque chose qui est un peu demandé, mais ça voudrait dire que pour ces sociétés-là, c'est un zéro pointé pour les actionnaires, c'est ça? Oui, effectivement. C'est pour ça que même si une société a versé des dividendes sur les X dernières années, il n'y a pas de garantie qu'elle en verse l'année suivante. Donc, on va dire que c'est assez prévisible, les revenus des dividendes, mais c'est pas. De toute façon, quand vous investissez dans tout investissement et la bourse également, il n'y a pas de garantie à 100%. Effectivement. Après, pour mesurer les dividendes, comment savoir si une société est généreuse ou pas en dividendes? Il y a deux moyens principaux qu'on utilise pour mesurer ça.
Il y a le taux de distribution. Donc, vous divisez le montant total des dividendes que va verser l'entreprise par son bénéfice net. Et en fait, ça, ça vous dit si l'entreprise est généreuse, justement. Si sur son bénéfice net, elle va reverser beaucoup aux actionnaires ou si elle va mettre beaucoup va garder beaucoup en trésorerie pour ses projets futurs. Donc, ça, c'est pour voir, en gros, si la société est généreuse avec les actionnaires ou pas. Par contre, ça ne vous montre pas si pour vous, c'est un bon investissement. Pour vous, c'est savoir ça. Il faut regarder le taux de rendement. Et là, c'est simple. Vous divisez le dividende par action sur un an par le cours de l'action. Et là, ça vous montre. Alors, imaginons qu'une société verse, on va dire une société qui serait en euros, verse par exemple 2 euros de dividende. Alors, 2 euros, est-ce que c'est un bon ou un mauvais dividende? On ne sait pas, parce que si la société vaut 10 euros, bah, c'est énorme comme dividende. Donc, ça n'arrivera pas. Mais si elle vaut 100 euros, c'est moins intéressant. Donc, voilà, vous divisez le montant du dividende sur un an par le cours de l'action et ça vous donne le taux de rendement, finalement. Et c'est ça qu'il faut surtout regarder. Donc, du coup, si je reprends, c'est au final assez simple, en tout cas, de se débrouiller tout seul dans une stratégie de dividende, d'action à dividende. Il y a quelques éléments qu'on a vus dans cette vidéo. Je t'invite à, dans ces cas-là, remettre un petit peu en arrière la vidéo, de bien prendre des notes par rapport à ça. On te mettra dans la description la synthèse de tout ça. Mais derrière, c'est comme dans beaucoup de choses, tu vas pas avoir un… Il n'y a pas beaucoup de travail à fournir. Derrière, il y a un résultat qui va être, on va dire, limité. Par contre, le risque, lui, n'est pas limité. C'est ce que j'ai compris. C'est que la valeur de l'action en soi pourrait baisser fortement. Pour autant, tu garderas tes 5% de rendement. Enfin, tu garderas un rendement plus ou moins correct. Mais par contre, l'action, elle, donc ton capital, lui, pourrait fondre. Donc, ça peut être une stratégie assez risquée par rapport aux gains que tu vas avoir. Là, tu me parlais du marché français. Les dividendes, on peut les avoir sur n'importe quel marché ou sur le marché français? Oui, sur n'importe quel marché. Sur n'importe quel marché. Même les marchés américains sont même plutôt bons pour ça parce que c'est un peu plus dans leur culture. Mais effectivement, comme tu as dit, je trouve que le risque d'une stratégie dividende, le rendement est faible par rapport au risque. Et surtout, il ne faut pas être pressé. Hein. Tu as bien fait de préciser ça. Il ne faut vraiment pas être pressé. Hein, parce que si vous avez besoin d'argent rapidement, vous pouvez vous retrouver malheureusement à revendre au mauvais moment. Alors, maintenant, si tu as beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité, plutôt que de les laisser dormir à la banque sur un livret A, ça peut être… Alors, on va voir rapidement la stratégie de week-end. Il en a parlé en 5 secondes à un moment. Mais ça peut être intéressant de diversifier, de mettre une petite somme en action en dividende. Là, ce que je retiens de ce que tu dis, week-end, c'est que ce n'est pas une action, ce n'est pas une stratégie arnaque. C'est un peu moins beau que ce qu'on peut voir sur Internet. Mais c'est une stratégie qui peut être intéressante en diversifiant quoi, une petite partie de son portefeuille. Oui, exactement. Alors maintenant, il y a un sujet qui nous intéresse. Ça nous évitera d'avoir la question en commentaire. Donc, n'hésitez pas en tout cas aux commentaires à nous mettre. Est-ce que vous avez déjà investi des actions à dividendes? Est-ce que ça marche pour vous? Ou si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir en commentaire. La fiscalité de ces actions-là, comment ça se passe rapidement? Alors en fait, il y a deux cas. Si vous êtes le cas par défaut en France, si vous investissez sur un compte titre ordinaire, bah vous serez à la flat tax, donc au 30%. Vous allez payer 30% sur vos plus-values et sur vos dividendes. Après, vous pouvez passer au barème progressif et là, vous aurez un abattement sur les dividendes qui est de 40%, si je ne dis pas de bêtises. 40% d'abattement juste sur le dividende, pas sur les plus-values. Par contre, il faut voir globalement si c'est plus intéressant pour vous. En général, c'est si vous avez des faibles revenus, c'est plus intéressant le barème progressif. Si vous avez des bons revenus moyens ou élevés, flat tax, c'est mieux parce qu'au moins, c'est plafonné à 30%. Alors qu'avec le barème progressif, même si vous avez un abattement de 40% sur les dividendes, comme vous allez faire aussi les plus-values, on le souhaite, ça peut dépasser largement les 30% globalement. Il faut faire le calcul, mais généralement, jusqu'à une tranche marginale autour des 11%. Les montants changent tellement souvent, mais autour des 11%, je crois que c'était encore à 2% près intéressant, mais on passe très vite dans le fait où la flat tax est devenue vraiment quelque chose de pertinent pour beaucoup de monde.
Le mot de la fin sur cette partie de sur cette vidéo sur les actions et dividendes, si tu avais un retour d'expérience pour synthétiser tout ça. Ouais, pour résumer, je dirais que en choisissant des dividendes aristocrates, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, sociétés qui ont augmenté leurs dividendes sur les 25 dernières années, vous pouvez avoir des revenus plus ou moins prévisibles. Par contre, comme l'a dit très justement Damien, il faut, vous savez à peu près que vous n'allez pas gagner une fortune. Et surtout, ne faites pas ça si vous êtes pressé. Si par exemple, vous avez un projet d'investissement, vous avez du cash et vous avez un projet, vous dites voilà, peut-être dans 2 ans, je vais investir dans l'immobilier par exemple. Ne faites pas sur cette stratégie-là parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. S'il y a une baisse comme il y a eu en 2008 ou 2020, les marchés peuvent mettre plusieurs années à retrouver leur cours. Donc, même si vous avez gagné vos 5% de dividendes, mais si d'un autre côté, les marchés ont perdu 30%, vous êtes encore à moins 25%. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens, si vous avez de l'argent pour le très long terme, ça peut être intéressant. Mais vraiment que dans ce cas-là. Nickel, merci à toi, Viken. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un gros like, partagez-la à vos amis. Mettez-nous en commentaire, vraiment, si vous avez déjà fait cette stratégie, si vous la connaissiez. Et rejoignez des milliers d'investisseurs abonnés à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche. Et comme Viken est généreux, Viken nous a préparé un cadeau pour conclure cette vidéo. Oui, donc on vous mettra également un lien vous aurez juste à indiquer votre email et je vais vous envoyer gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille, donc c'est mon propre portefeuille. Également, vous aurez accès à la stratégie. Alors, vous verrez que ce n'est pas du tout une stratégie dividende, c'est une stratégie où je vise des plus-values qui permettent de gagner bien plus que les dividendes. Donc voilà, vous allez avoir tous les détails de ma stratégie pour comprendre comment je fais ça sur les marchés américains. On vous mettra également le lien de mon club d'investisseurs dans lequel je partage chaque mois la composition complète, tout simplement, de mon portefeuille boursier. Voilà, que j'ai depuis 2006 et qui génère 20% par an en moyenne avec une stratégie plus-value pour le coup et pas dividende. Et ce que j'aime avec la stratégie de Viken, donc on va vous mettre tout ça dans la description de la vidéo, allez voir tranquillement. Je suis moi-même membre du club de Viken et c'est surtout que ça prend entre 5 et 10 minutes par mois. Et comme il y a un décalage entre l'envoi et l'ouverture du marché américain en plus, j'aime bien parce qu'on a largement le temps de le faire. De trouver les 5 ou 10 minutes entre le moment où tu nous envoies les choses et l'ouverture du marché. C'est vraiment un truc pour moi où je suis un fainéant et je veux juste appliquer et suivre quelqu'un de confiance qui en tout cas que je trouve vraiment top. Donc allez voir ça dans la description de la vidéo. On se retrouve de toute façon de l'autre côté puisque je suis moi-même membre du club avec Viken qui propose aussi des conférences tous les mois. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis dans le club. Et en tout cas, merci à toi Viken pour cette vidéo. Merci à toi Damien pour l'invitation. Et toi de l'autre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou à l'intérieur du club Quanti Trading. Et je te dis juste, porte-toi bien, à très vite. Ciao, ciao.